Le père de Barry, comme tant d'autres garçons nés dans une famille de la bonne bourgeoisie, avait été élevé pour faire un homme de loi. Il ne fait aucun doute qu'il eût occupé une place éminente dans cette profession s'il n'avait été tué dans un duel. Duel qui eut pour origine une vulgaire affaire de vente de chevaux. Après la mort de son époux, la mère de Barry vécut une vie qui ne put en rien donner prise à la médisance. Plus d'un homme qui avait séduit ses charmes lorsqu'elle était jeune fille tenta de nouveau sa chance lorsqu'elle se trouva veuve. Mais elle déclina toutes les offres de mariage, déclarant qu'elle ne vivrait désormais que pour son fils et pour la sainte mémoire d'un mari passé dans l'autre monde.